Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque matin à 7h pour la parenthèse qui s'ouvre pour le compte de ce jeudi, l'avant-dernier numéro de cette semaine et le tout premier du mois de septembre vous accueille pour agrémenter votre début de mois, mais aussi votre début de la matinée de ce 1er septembre. Merci de rester en notre compagnie jusqu'à 9h. Nous sommes ensemble, mais on démarre comme toujours avec de l'humour et aujourd'hui je vous propose un medley simplement des humoristes web béninois. Vous allez pouvoir suivre Axel Meryl, vous allez pouvoir suivre également Pipi Wabaho, Simplice Béanzin dans son rôle d'astrologue, mais aussi l'humoriste web béninois Frido. Une bonne compilation pour vous permettre de démarrer en toute bonne humeur le mois de septembre. Regardez les amis, pour moi ça vous fait moi mon choix. C'est un gars. Viens ici, mets ton pied gauche d'abord en premier. Je prends les cuisses. Moi je prends la tête. Qu'est-ce que ça fait? Il faut garder ça. Le cerveau là, ça fait des chats. Ouais, je vais faire mes jouets. Viens, parce que le riz est déjà cuit. Ouais, je vais mettre en place. Viens. Je suis tombé où? Et qui est mon frère? C'est quoi ton groupe sanguin? Je vois les retomber. Tu n'as pas dit tu aimes femme. C'est compliqué. Hein, la vie, hein. Ah, soleil de Cotonou, hein. Je te dis. On dirait Satan nous poursuit. C'était pas comme ça à Paris, hein. Ah bon? Il y avait Paris? Mmh. C'est quoi tu es dit par... C'est ça tu fais et puis ça m'énerve dans ton affaire. Faut te calmer.
Le boulot tu m'as demandé là. Oui. Et il a tué ça. Il a fait ça bien. Ça dit, c'est parce que c'est toi. Hein. Parce que lui là, j'étais trouvé là. Garçon est normalement fini dans leur village. Mais ça dit que quand ils ont ouvert le bal comme ça, j'ai sauté tac 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 tac. J'ai fait comme ça, j'ai dit ça, c'est pour ma copine. Eh ma chérie, merci. J'ai dit ça, c'est le premier choix, il était ramené. Ah. Merci beaucoup. Mais il est où? Tu n'as pas encore fait mon truc là. Depuis le pas, juste là, je transcris. Tu as trop l'argent, hein? Tu n'as pas encore fait mon. Bon, attends. Tiens. Est-ce que le compte est bon? Oui, tu me connais, non? Ah, c'est dangereux, c'est dangereux. Tu me connais, on a dit, tu as pris Peric de Hawa ici, on n'a pas vu dedans. Peric de Hawa qui a pris. Faut laisser. Elle a appelé, il est à côté, il va venir. Allô? Ta femme t'attend, viens. Vraiment, tu as te marier bientôt. La grâce du mariage a sonné à ta porte. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon, on attend quelqu'un par quitter. Ma chérie, mais il est où depuis, je ne le vois pas? Ou bien il vient plus? Toi, tu ne vois pas lui qui est là. Toi, tu nous vois. Très bien. Ah. Tu ne le vois pas comment? C'est lui qui est arrêté là. Donc, c'est ça là qui est là comme ça? Ah. Hein? Comment ça, c'est ça là? Tu as demandé garçon pour femme indépendante. Garçon qui ne peut pas crier sur toi. Lui là, il va crier sur toi où? Voilà, on te prend, on le trouve deux fois dans ton poids. C'est pas ma catégorie. Hein? Comment c'est pas ta catégorie? Tu dis garçon qui est bon au lit. Voici son ninja. Là. Ah. Il est trop petit. Il est petit. Comment? C'est ce que tu as demandé, j'allais te trouver. Ah, comment on va dire ça? C'est surtout que j'ai fait le travail là maintenant, c'est pas aujourd'hui. Non, ma chérie. Hein? Tu veux que je fasse quoi avec ça là? Ah, maintenant on a fait quoi? Mais ma chérie, tu peux pas me dire que c'est mon argent qui va payer ça là. Ah non. Je te dis, donne-moi mon argent. Elle dit, je te dis à qui? Elle dit, je te dis. Donne-moi mon argent. C'est à nous, c'est à nous. Les enfants. Un chien. Mais la barbe comme ça, tu vois. Voilà, un vrai Père Noël. Hein. Ah, vraiment, ça n'a pas été facile. Hein. Parce que comme tu sais, là, actuellement, Père Noël même, c'est fini sur le marché. On ne les trouve plus. Ah bon? Oui. Donc celui qui a été ramené là, c'est depuis Amérique, on l'a loué. Les États-Unis, oui, j'ai dit, c'est pas. Tu as contacté une professionnelle. Bonsoir. Ça va un peu? Ça va super, hein? Donc, comme je t'ai dit, ils sont en train de chercher Père Noël. Non, c'est. Je lui ai dit que tu viens d'Amérique. Absolument. All right. No problem. Attendez. No problem. C'est qui ça? C'est le Père. Tu n'as pas vu, il est en train de parler anglais. Anglais, il est en train de parler là. C'est moi, il te dit encore que c'est Père Noël qui est là. Ça, c'est un Père Noël. Good afternoon, mister. Ta gueule, taisez-vous, monsieur. Hein? Mais je vous demande un Père Noël, vous m'amenez un fétiche? Mais je fais quoi avec un fétiche, moi? Il est en train de parler. C'est toi là qui est fétiche. Hein? Pourquoi chercher Caillou là-bas? Cherche Caillou là-bas. Mais! Non! Le passé là! Tu appelles combien? Ok, donc tu as compris, hein, la cargaison est par demain matin. Donc je suis très en retard là, il me faut un chauffeur. Toute urgence. Mais il a dit. Pourquoi tu aimes chauffer ton sang comme ça? Quand tu as fini de parler, il t'a trouvé le chauffeur en même temps. Ah bon? Oui, reste, ah, comme tu ne m'as pas encore fait toute là. Bien sûr. Moi, avec moi, c'est que c'est. Bonsoir. Oui, mon fils, ça va? Fils. Ton fils, ça va un peu. Ça va. Bon, écoute, le chauffeur vient quand? Je t'ai dit que je suis pressé. Là. Moi, je. Mais c'est le chauffeur là même qui est là. Le chauffeur comment? Je dis, je suis pressé. Tu entends ça? Je suis un homme d'affaires, moi. Ah. Moi, le temps, c'est de l'argent. Après, même à trembler. Il est étonné. Regarde-moi ça. Je dis que c'est lui qui va conduire ton camion là. Je suis en train de pourquoi tu es chauffeur de camion? Toi, tu le connaissais. Pourquoi tu as peur? Tu le connaissais? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu as peur? Oh. Hey, je ne veux pas de problème. Si tu ne me trouves pas, mon chauffeur, donne-moi mon argent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est aujourd'hui là. Mon argent. Madame. Attendez.
C'est madame Oléry. Oui, moi je vous souhaite longue vie. Amen, amen. Parce que vraiment, finalement, vous pouvez me balancer. Je suis fort. Je ne suis pas né. Et ils m'ont fabriqué. Je ne suis pas un homme. Ils m'ont fabriqué. Ah, vraiment, vous descendant de Dieu. Non, moi, moi, je suis né en mois du juillet. Juillet. 29 juillet. Oui. Vous êtes parapluie. Et non. Oui, parapluie. Vous êtes parapluie. Si, parapluie. Ça veut dire quoi? C'est un bon signe. Merci. Mais il y a maintenant un coup d'eau. Et le signe parapluie, il préfère, s'il a 1000 francs dans sa poche, il préfère donner ça à l'autre et dormir à jeun. J'ai pas beaucoup d'argent. Merci. Il aime faire ça. Je suis comme ça. Il est prêt à donner tout ce qu'il a aux autres. Et lui, là, il va rester comme ça. Maou, vous êtes génie. Parce que, ben, les preuves, si vous avez, même vous, si vous avez coupé votre tête pour préparer ça à quelqu'un d'autre, après avoir fini ça, vous êtes méprisé par la personne. Vous voyez, non? Même si, on ne vous considère plus. C'est comme ça. C'est un métier. Et voilà! Parce que la parapluie, quand il y a la pluie, c'est la parapluie. Et c'est lui qui subit les conséquences de l'eau. Et la personne qui est dessous là, la pluie ne peut pas les frapper. Moi, je comprends. C'est lui qui a protégé l'autre de ne pas être mouillé. Moi. Mais lui aussi, il est en train de mouiller. Oui. Hein? Oui. Après la pluie, on jette. On ne sait pas là où on a mis la parapluie. Oui, oui. Quand votre prix a commencé, ils vont dire, « Ah, il y a gazé pour la prix, l'eau. » Donc c'est comme ça, votre vie. La soleil, c'est lui qui porte vous et qui... C'est la parapluie qui va protéger l'autre. L'autre est dans l'ombre. C'est lui qui subit la chaleur. Monsieur, et après, on le jette. Je peux changer maintenant. Là où vous êtes maintenant, oui. Nous m'ayons bloqué, mais n'a pas choisi quoi. Mais y a donc des bois, si mi tombe, et mi dernier de, mais y a donc des bois choisi quoi. Bon, mais quand ça va d'agbe mais des bois, donc va d'agbe cacao. Et là on sait monsieur, pourquoi comme là on joue tout. Mais comprends bien. Mais là mi bloqué, mi écrit bien, allez, monsieur. Mais Dieu va vous bénir en donnant l'autre pour rester comme ça. C'est Dieu qui va vous bénir, monsieur. On va vous changer ça si vous voulez, mais à deux fins pas. Je peux avoir votre contact. Contact, il n'y a pas de problème. C'est 00, 00, 00, 00 encore. 4 et 6, 0. 6, 0, 95 à la fin. Ah, le numéro vrai. Oui, c'est ça. 6, 0. 6, 0 et 95 à la fin. Okay, appelez-moi seulement, madame. Donc, à jeudi. On va changer. D'accord. Okay, merci. Donc, je vais prendre mon tour pour qu'on d'accord. Monsieur, si je suis de moi, monsieur. Merci à vous. Vous voyez ça? Elle a des problèmes, oui. Et des problèmes, t'as. Et le frère Dion, y a même, non. Voilà, donc, c'était donc la parade des humoristes béninois. On a pu avoir Simplice Béanzé en deuxième position dans son rôle d'astrologue. Mais avant, on a également eu Axel Méril, mais aussi Frido, donc, dans leurs œuvres. Merci à tous ces humoristes qui nous accompagnent dans la parenthèse qui vous réserve aujourd'hui, parade de grand-mère. Et comme toujours, nous irons avec le représentant de grand-mère apprendre un peu de la sagesse de grand-mère. Nous
Nous aurons également deux rendez-vous du net avec Stanislas Lincoln. Nous aurons Gossip d'abord, c'est l'actualité des célébrités du monde. Et nous aurons également vu sur le net, ce sont là les messages, vidéos, photos qui ont pu nous donner le rire sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine. Le talk du jour, il va intervenir autour de 8h. On parle aujourd'hui des familles monoparentales, comment se passe la vie dans les familles monoparentales, l'éducation des enfants, le parent, on va dire, qui a la charge de l'éducation des enfants, le parent qui a la charge de conduire donc le destin des enfants. C'est jamais simple dans ce genre de famille qui se disloque parfois pour des raisons diverses et que les enfants se retrouvent à la charge d'un seul parent. Parfois également, c'est des familles qui se retrouvent à cause des, on va dire, des forces de la nature, des décisions divines également en cas de décès. Il y a des familles qui deviennent monoparentales. On va revenir sur tout ceci pendant le talk du jour avec mes invités qui seront là autour de 8h, comme je vous le disais. Mais avant tout ceci, nous sommes avec le représentant de Grand-Mère sur ce plateau, Didas Tosu. On va marquer la pause avec ce jingle. On le retrouve juste après pour étudier quelques maximes de Grand-Mère. Il est là, le représentant de Grand-Mère, avec Ezekiel Jacques. Ezekiel, bonjour. Bonjour Bruno, bienvenue. Didas Tosu, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, merci d'être encore là ce matin. Alors, on a retenu trois leçons dans la parade de Grand-Mère de ce jeudi 1er septembre 2022. Et vous êtes déjà là pour nous donner quelques informations, pour nous éclairer davantage. Alors, la première leçon, c'est Grand-Mère nous dit que c'est interdit de s'asseoir au seuil d'une porte. Dites-nous pourquoi. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par dire bonjour à toute la population béninoise, particulièrement à ses enfants, que Grand-Mère demande d'être sage. Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est le jour des femmes, et donc il faut que les filles soient sages davantage. On ne s'assoit pas à l'entrée de la porte et surtout fait dos à l'entrée de la porte. Pourquoi? Parce que, avant même de dire ce que Grand-Mère nous enseigne, quand vous allez au CNSR, les codes de la route, qu'est-ce qu'on fait pour marcher? On fait face au danger. Ce n'est pas ça? Oui. Exactement. Très bien. Donc, lorsque vous vous asseyez à l'entrée de la porte, c'est que vous faites dos soit à votre bonheur, soit à votre malheur, c'est-à-dire à tout ce qui peut vous arriver. On peut vous poignarder par le derrière, donc vous n'avez pas la force de vous défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre lorsque vous faites dos à quelqu'un. Mais lorsque vous êtes face à la personne, lorsqu'il vient vers vous, qu'il soit esprit ou un être physique, ce qu'il pense faire de vous, il va ralentir un peu. Parce que vous êtes face. Parce que je suis face. C'est comme si quelqu'un vous insulte derrière vous. Le jour où vous voit, mais il revoit sa copie, il revoit son discours. Ce qu'on dit derrière moi, quand on voit, mais on ne va pas le dire. On va atténuer les mots. On va revoir un peu. On ne peut pas me voir et dire ce qu'on a dit derrière moi comme ça. On doit modeler un peu. On doit revoir. Donc, c'est de la même manière lorsque vous êtes à la maison et que vous faites dos à votre porte, c'est-à-dire vous êtes à l'entrée, tout ce qui rentre chez vous soit s'arrête, soit passe par-dessous, vous rentre et peut vous attaquer. Alors que si vous faites face à l'ennemi, dès qu'il va venir, vous allez le rencontrer. Même si c'est un esprit, il vient, s'il est positif, vous le recevez. On ne reçoit pas quelque chose, on n'affronte pas la vie par derrière. On affronte toujours la vie face à face. Donc, c'est comme ça, Grand-Mère dit, ne faites jamais dos à votre porte, à l'entrée, parce que tout ce qui rentre chez vous, vous ne savez pas. J'ai toujours dit ici que lorsque vous êtes chez vous, il y a des choses qui vous protègent, que vous ne voyez pas, des choses invisibles que vous ne voyez pas. Oui. Et que si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, tout peut vous échapper. Alors, est-ce qu'il y a des esprits qui peuvent rentrer dans une chambre? C'est sans doute. Les esprits rentrent chez nous. Ils peuvent être positifs ou négatifs.
Si je suis chez moi que des esprits négatifs rentrent et que je me suis préparé, je vais les affronter. Pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez chez vous? Avant de dormir, par exemple, ou avant de quitter chez vous, pour affronter, mieux protéger. Voilà. Ou encore, quand c'est positif, vous recevez avec les deux bras. Voilà. Donc, on ne peut pas faire d'eau, penser qu'on va recevoir le bonheur. Ce n'est pas possible. Celui qui viendra vers vous, il va vous atteindre et vite. Sinon, il faut le dire, hein, qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Reviennent tard peut-être et tout fatigué, s'asseyent au seuil de la porte. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas conseillé. Grand-mère interdit de le faire. D'abord, constater quand un enfant s'assoit comme ça, on dit on ne s'assoit pas là. Oui, mais on ne lui explique pas pourquoi. Oui. On ne dit pas. C'est un réflexe, on le refuse. Parfois, même celui même qui refuse, lui refuse là, ne sait même pas pourquoi. Mais il dit on ne s'assoit pas comme ça. Et l'enfant se lève vite. Même si vous êtes étranger, ou bien même si on vous frappe à la maison, et vous êtes fâché en tant qu'enfant, si vous asseyez là, mais on vous demande de quitter là. Vous pouvez vous asseoir dehors, mais dans la chambre, vous pouvez vous asseoir peut-être dans un fauteuil, tout ça, mais on ne s'assoit pas à l'entrée de la porte. On refuse, mais on ne vous dit pas pourquoi on ne s'assoit pas. Ce n'est pas votre niveau, on va vous dire, c'est un esprit qui est ici, non, c'est pour faire face au danger. On ne vous le dit pas, on dit, on ne s'assoit pas. Voilà. Il faut comprendre. J'ai envie de pousser ma curiosité à savoir, et si par exemple, je m'étais déjà préparé spirituellement pour, est-ce que je peux m'asseoir au seuil de la porte? Il ne faut jamais chercher querelle, il ne faut jamais chercher la crise. Non, restez là où vous êtes. Quand ça va venir, on va vous protéger. Mais ne dites pas, maintenant, moi j'ai gris-gris là, j'ai ceci, j'ai prié, je peux aller faire ceci. C'est pas parce que vous avez prié pour que on vous protège que vous irez dans le feu pour voir si vous serez sauvé. Ou bien vous irez dans l'eau pour dire, bon, il y a inondation, mais moi je vais m'en sortir. Il y a cru ici, quelque part dans un fleuve là. Bon, je vais me jeter parce que j'ai bien prié, Dieu va me sauver. Ne le faites jamais. N'osez pas ça. Alors, en termes de leçon, que peut-on retenir concrètement? Quand on est quelque part, il faut toujours penser que vous n'êtes pas seul. C'est surtout ça, on n'est jamais seul. Que je sois dans ma chambre, que je sois quelque part, je ne suis jamais seul. Donc mes comportements doivent pouvoir refléter quelqu'un qui respecte et les esprits et l'être physique que je vois devant moi. J'allais le demander, alors comment il faut respecter les esprits? Mais tout à l'heure, j'ai dit, on n'affronte pas. Vous avez dit, je peux aller là-bas pour voir qu'est-ce qui va m'arriver. Okay. On demande de ne pas sortir là, de ne pas faire ceci. C'est une manière de respecter les esprits. Oui. On vous demande de ne pas faire quelque chose. Ne le faites pas. Vous aurez le bonheur, c'est tout. Mais vous osez, vous allez voir les conséquences. Mais personne ne sera là pour vous dire, c'est parce que vous avez peut-être que vous avez cette conséquence. Oui, on ne vous le dira pas. Il vaut mieux ne pas provoquer. Il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux ne pas s'aventurer, s'entêter, parce que voilà. Même spirituellement, c'est pas conseillé quand vous êtes conscient d'avoir des armes spirituelles, de les utiliser dans de l'expérimentation, c'est-à-dire que vous savez que vous détenez une âme spirituelle et vous voulez l'expérimenter. Vous inventez, oui. Non, vous testez, non. Vous attendez que les situations s'opposent à vous avant de les utiliser, vous ne les brandissez pas tout de suite. Il ne faut pas faire de démonstration. D'accord. Voilà. Merci Disaster Sou. On l'a retenu, hein, qu'il ne faut pas s'asseoir au seuil de la porte. Alors, on va virer vers la deuxième leçon. Grand-mère nous interdit de compter les enfants. On ne dit pas tes 4 enfants, tes 5 enfants. Dites-nous, quelle est la raison fondamentale pour laquelle grand-mère nous interdit cela? D'abord, vous rappelez dans l'expression le bout de bois de Dieu. On ne compte pas les enfants pour quelqu'un qui a 2 ou 3 ou 4, 5. Non. Parce que ce n'est pas vous qui avez mis les enfants au monde. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les esprits. C'est pour une collectivité. Vous n'êtes pas là pour compter. Vous allez en faire quoi? Parce que c'est trop pour vous, vous allez en prendre un dedans? Non, non mais on peut... Non. Je peux aller saluer si le quelqu'un voisin. Vient vers, si quelqu'un vient dans votre maison et vous salue, dit bonjour Ézéchiel, bonjour Bruno, et dit comment vont tes 4 enfants? Celui-là, c'est un sorcier. Il veut de vous. On dit comment vont les enfants, c'est tout. On ne dit même pas comment vont les garçons, comment vont les filles, comment vont les enfants. C'est ça la salutation. Donc si quelqu'un vient et compte les enfants, non, il faut commencer à s'inquiéter. Ça ne se fait pas.
Ça ne se dit même pas. C'est bonjour, comment vont... Même si j'ai un enfant, comment vont les enfants? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres personnes qui le disent souvent. Comment vont tes quatre enfants? Peut-être le voisin vient te voir et le dit, peut-être sans aucune arrière-pensée. Non. Il est rare d'apprendre ça. Il est très, très rare. C'est peut-être dans mon monde moderne où... en même temps, on cite les noms, en même temps, comment tu vas, et Ézéchiel, et Bruno, et Didas, c'est ce que vous faites dans votre vie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut les englober. Il faut les englober. Comment vont les enfants? Comment vont les enfants? Et on ne dit même pas le sexe. Non, garçon, fille, non, ce n'est pas ton problème. Comment vont les enfants? Pourquoi vous voulez compter sous mes bras mes deux enfants que j'ai? Pourquoi? C'est déjà suffisant pour vous, bien c'est, ça vous gêne en quoi? Donc déjà, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il a des idées, il a des pensées sur vous. Il ne doit pas pouvoir le dire. Si vous êtes quelque part, on vous appelle au téléphone et on dit, tel enfant, peut-être qu'il a été au BAC, qu'il a été au PPC. Ça, c'est différent. Hein? Okay. On précise, il a travaillé un peu. Comment... D'accord. Mais un bonjour, ou bien on vient à la maison, on veut faire quelque chose, on compte les enfants, on ne le compte pas. On ne compte pas. Même s'il y a une cérémonie, on dit, tes enfants vont payer tel. Et c'est à toi de faire le dispatching pour dire, sur les 30 000, mais 20 000, là, toi tu donnes ci, toi tu donnes ça, et on regroupe, on donne. C'est plus bienséant que de dire, comment vont tes deux enfants, comment vont, va la fille, comment va le garçon. Non, ce n'est pas, ça ne se dit pas. Alors, celui à qui, le parent à qui on le dit, quelle est la manière la plus appropriée pour dire à son voisin qui le dit peut-être, on ne dit pas ça? Dès que quelqu'un commence à me poser la question, comment vont tel, je vais dire, mes enfants vont bien. À chaque fois que je dis, on constate que quand moi je fais des détails, ils ne restent pas dans les détails, ils restent en gros. Il y a d'autres qui ne comprennent toujours pas. Il y a des manières, les grandes personnes, tout de go ne vous dit pas d'abord, si vous êtes moins âgé que moi, quand vous allez finir, je finirai par vous dire doucement. En fait, ça ne se dit pas comme ça. Voilà les raisons pour lesquelles. Okay. Mais si vous êtes plus âgé que moi, je vais commencer à soupçonner. Je vais commencer à soupçonner comme quoi vous avez une autre intention. C'est pourquoi vous posez toutes ces questions. Est-ce forcément les personnes âgées qui ont de mauvaises intentions sur les autres? Une personne âgée qui... comprend, qui est censé savoir, ça ne se dit pas et qui s'entête à le dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Benoît, c'est tellement quelque chose à dire. Oui, c'est pas bien séant, hein, je trouve, de demander à quelqu'un comment vont tes quatre enfants. C'est comme si, même s'il y a un étranger là, vous plantez déjà le décor et que vous informez qu'il a quatre enfants. C'est vraiment pas important, parce que quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, c'est pas la première chose qu'il vous dit, c'est pas le nombre d'enfants qu'il a, c'est pas les premières informations qu'il vous laisse savoir de lui. Donc je pense que c'est toujours mieux de demander comment vont les enfants, et comme ça, voilà. Parce que on dit souvent, et même dans notre métier, quand vous vous mettez à citer, il y a le piège de l'oubli, vous allez en oublier peut-être. Et voilà, quand vous demandez tel et tel et tel, vous pourrez oublier un des noms, hein, et commencer par vous demander. Et l'autre, le quatrième, il s'appelle comment déjà? Et c'est même frustrant pour l'enfant, s'il est là, de savoir que vous avez retenu le nom des autres. Et que, bon, ça, c'est pas grand-mère, hein, c'est Est-ce que vous ne voyez pas que lorsque quelqu'un a des jumeaux et que l'un part et l'autre reste, on appelle toujours la personne au nom? Oui. Oui ou non? Et même l'enfant vivant, on l'appelle toujours le jumeau. Ou bien, pourquoi vous voulez compter? Pourquoi vous voulez dire où est le second? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Pourquoi vous voulez insister? Ce n'est pas possible. Mieux, lorsque vous allez dans une maison que vous n'avez pas l'information, la femme n'a pas d'enfant, mais le couple n'a pas d'enfant, ils sont avec des enfants. Vous demandez souvent si les enfants vont bien. Ils vont vous dire oui. Ils ne vont pas vous dire, nous, on n'a pas d'enfants. Vous avez jamais vu quelque part quelqu'un dire, je n'ai pas d'enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Ces enfants, c'est. Vous avez jamais vu ça? Placé. Attention, donc il faut parler en profondeur. On vous demande de ne pas dire, ne le dites pas. Ne le faites pas. Ne provoquez pas les gens. Et ne provoquez pas les esprits. Voilà. D'accord, Didas Tosou, c'est bien noté, chers téléspectateurs. J'espère que vous notez aussi avec moi. Hein. Moi, je note tout ici. On ne compte pas les enfants, non, comme elle a interdit. On dit juste tes enfants, vos enfants. Tout simplement. Merci. La troisième leçon qu'on va détailler avec vous, Didas Tosou, ce matin, c'est concernant la femme enceinte. Quand elle demande à la femme enceinte de ne pas informer les gens de son état
qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle est enceinte ou non, de ne pas informer les gens de son état de grossesse. Et comme elle dit également, de ne pas demander à l'autre de dire, bon, hey, toi tu es enceinte, de ne pas demander si l'autre est enceinte. Dites-nous, quelle est la raison? Première chose, quand la femme est enceinte, on a dit la fois dernière ici, c'est un être chargé. Il faut retenir, c'est un être chargé. On ne s'amuse pas avec la grossesse. Vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Ça fait un. Et les esprits qui entourent, ou qu'on est en train de tout faire pour évacuer, pour isoler de cette femme-là, vous ne le savez pas. Et si vous venez que c'est à vous de dire, ah, tu es enceinte, on ne demande pas, constater tout simplement. Mon papa a l'habitude de me dire, mais quand vous volez au marché là, on ne cache pas. Si tu voles, tu mets ça derrière, il y a des gens qui sont derrière qui te voient. Donc, ouais. Donc si c'est une grossesse, on ne va pas cacher. Vous avez vu. Pourquoi vous voulez poser encore des questions? C'est pour aller dire à qui? Laissez la personne aussi constater. Et dans notre culture, dans notre tradition, on ne dit rien. On vous annonce seulement la délivrance. Et on applaudit. Quand vous constatez, vous ne dites rien. C'est vrai que quand c'est votre fille, je dis bien votre fille, pas votre belle-fille. Quand c'est votre fille, quand elle a un souci comme ça, elle peut se rapprocher de vous pour la première fois. Hein, vous dites, maman, j'ai constaté telle chose. Maman peut dire, ce signe-là, c'est bon pour nous. Elle ne va pas même te dire que c'est une grossesse. Ah bon? Non, 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 ne dis pas d'abord. Pour t'affoler, non. Parce que c'est ton premier geste, on ne t'affole pas. Et tu vas constater, parce que tu n'as jamais vécu ça. Donc, on ne dit pas, voilà, je suis enceinte, on ne dit pas ça. Non, on constate. On constate. Même l'homme qui a son épouse constate, mais ne s'affole pas, va dire au bureau, ah, ma femme l'a attrapé une grossesse, tout ça. Non, 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 non. Vous n'allez jamais voir ça. Et qu'on constate, s'il est sur moto ou bien dans sa voiture, on constate que son épouse est dans tel état, point bas, on n'en parle pas. Maintenant, quand quelqu'un vous voit pour dire, mais bien, c'est vous-même qui le dites, ou un autre dit, mais tiens, pourquoi je vais poser la question? Non, vice-versa, on ne le dit pas. Parce qu'il y a certains qui ne font pas curiosité. Non, hein, non, 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 non. On vous a dit que je n'ai jamais de grossesse. Quelle était votre intention quand je n'avais pas la grossesse? Et c'est maintenant que j'ai la grossesse que vous posez la question. Pourquoi vous vous affolez? Pourquoi ça vous étonne? Non, faites comme ça. Si vous êtes parent à la personne, si ça a traîné avant de venir, mais faites comme ça pour dire merci Dieu, tout simplement. Ne dites pas autre chose. Priez pour qu'elle soit délivrée dans de bonnes conditions. C'est la meilleure formule. La meilleure formule. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Merci, Didas Dosso. Bruno? Oui, il ne faut pas aller plus loin. Je pense que c'est pas des nouvelles. La naissance, ça s'applaudit, comme vous l'avez dit, voilà. Et des écrivains l'ont dit, mais aller annoncer la grossesse quand il n'y a même pas encore des signes apparents, c'est... Ce n'est pas bien. C'est quand même bizarre, laisser le temps au bébé au moins de bien se former. Et après, comme il a dit, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Les gens vont constater plus tard. Et je pense aussi que dans notre société, grand-mère n'était pas trop pour les commentaires autour d'une grossesse. Pourquoi vous allez commenter? Allant dans ce sens, parce qu'il y a des gens qui sont, je vais dire... maladroit. J'utilise l'expression comme ça. Ils sont maladroits, c'est-à-dire que quand tu vois une femme enceinte, ils veulent tout de suite dire quelque chose, ils veulent toujours commenter. Oui. Ça aussi, grand-mère est contre. Le seul commentaire qui va, c'est... Notre société accepte, c'est quand on dit renom. Renom. Voilà. Pour faire plaisir à la dame. Ah, biblioéa. Qu'est-ce que ça? Pour faire plaisir à la femme. Elle est contente que... Oui. Vous voyez, donc... Mais les commentaires du genre, mais ton ventre est trop gros, on ne dirait pas que c'est trois mois. Les gens le font, hein. Oui, non, il y a des gens qui le font. C'est dangereux. On te dit, mais à trois mois, ton ventre est déjà gros. Ou bien à six mois, ton ventre est si petit. C'est des commentaires désobligeants. En tout cas, même pour celles qui portent la grossesse. Il faut encourager la femme qui a la grossesse. Que vous soyez son homme, c'est-à-dire son mari ou ses frères, ses beaux-frères, consorts, même les amis du service, il faut encourager. Ce n'est pas facile de garder. Non, il faut encourager la femme pour qu'elle soit sûre que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour la société et non pour elle seule. Voilà. Merci Didas Tosso. On a retenu toutes ces leçons. Il ne faut pas s'asseoir au seuil d'une porte. Il ne faut pas également compter les enfants. On ne dit pas tes quatre enfants, tes cinq enfants. Non, on dit plutôt
tes enfants. Et en dernier, grand-mère nous a demandé, grand-mère informe, demande à la femme de ne pas informer de, sa, de son état de grossesse et de ne pas demander aussi à la femme si elle est enceinte ou non. Merci Didas Torso pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi, vous avez tout noté. Bruno, je te laisse. Merci beaucoup à vous, Ezekiel Jacoye, au représentant de grand-mère Didas Torso, hein, qui, je le rappelle, hein, voilà, d'une fidélité extraordinaire, hein, d'une fidélité de colombe, parce que ça fait... Il est toujours là. Oui, ça fait 4 ans qu'il est avec nous dans la parenthèse, toujours présent. Il ne rechigne jamais devant le travail et devant nos invitations. C'est un homme vraiment extraordinaire. Hein. S'il fallait primer quelqu'un, je pense qu'il serait le premier dans la parenthèse. Merci vraiment. Merci. Nous sommes très reconnaissants pour vos efforts. On va poursuivre cette émission. On va marquer juste la pause, à le temps pour nous de retrouver Stanislas Limpon dans un court instant avec lui. Bien entendu, il s'agira de gossip. On va faire un peu le tour de l'actualité des célébrités du monde. Et juste après, on va faire du... Baba. Nam. Franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Hein? Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa. Hein? Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Je connais tout. Va me chercher, Baou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Regarde nos étalages. Hein? Moi, je ne finirai pas à abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Tout ça en une journée? Hey. Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à la FIA. À la FIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à la FIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moindre coût, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à la FIA. Le crédit qui vient à vous. Instant gossip dans la parenthèse avec Stanislas Limpon. Stanislas, bonjour. Bonjour Bruno Soaldi, bonjour à chacun et à tous. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue à l'actu des célébrités simplement. Allez, quelle est l'actualité? Qu'est-ce qui se passe dans la sphère des stars? Oui, commençons par le Bénin, l'actu des célébrités par le Bénin bien sûr. Sur la toile Sagbouran Daniel où l'homme orchestre est à l'honneur, à coup de commentaires, les internautes béninois comme étrangers célèbrent l'homme orchestre. Ce n'est pas encore son jour d'anniversaire, il faut encore attendre le 11 décembre pour
célébrer cet homme, mais en attendant, le célébrissime Sagboran est à l'honneur, se voit célébrer après cette image postée par l'artiste Pepe Oleka. Cette image, certainement que vous voyez, Bruno Swali, je vous propose ce tube de cette légende de la musique béninoise, voix africaine, le tube « Laissez-moi mon mari » sorti en 1983. Certains ici, certainement, n'étaient pas encore nés. Bruno, attention, la vidéo n'est pas de meilleure qualité. Je voudrais juste vous rendre nostalgique. Laissez-moi mon chemin, ne me crée pas de problème. Ça vous fait 10 ans de fiançailles. Mon mari ne m'a jamais trahi. Oh. Et puis 2 ans de mariage, il n'a jamais triché. Oh. Nous avons 3 enfants, 2 ans, je suis pour moi, donc n'est pas des connards. Oh. Avec des produits artificiels pour tromper les garçons, pour détourner les manucrues. Je suis au courant de tout, je suis tout le vrai. J'entends tout, je vois tout. Tu ne veux franchir la frontière pour aller un joli week-end. Et nous en avons toujours. Voilà, hein, ça boit. Daniel. Bien sûr qu'on est en train de célébrer sur le web à travers une photo qu'a posté Pepe Oleka. Pepe Oleka d'ailleurs qui a repris l'un de ses morceaux, vous le savez très bien. Et ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est que vous voyez les célèbres animateurs du monde commenter, tuiter, parler de l'homme en long, de long en large. Je crois qu'il mérite qu'on lui rende aussi par ici un hommage. Et c'est ce que nous avons fait à travers ce morceau, ce tube qui date de 1983, s'il vous plaît. Alors, vous parlez des commentaires. Ça fait plaisir de voir que une seule photo postée de lui peut susciter tant de commentaires élogieux à son endroit. C'est vraiment intéressant et ça montre le grand homme qu'il est simplement. Bien sûr. Alors, autre actualité, célébrité. Nous filons tout droit pour atterrir en Côte d'Ivoire. Là-bas, coach Amon Chic, l'animatrice de l'émission Allo Caviar, que vous connaissez très bien sur la télévision privée Live TV, et son directeur général Fabrice Saouillon sont au cœur d'une polémique. Le week-end dernier, Fabrice Saouillon, le directeur général de cette chaîne de télévision, déverse le contenu d'une bouteille de champagne dans la bouche de son employé, coach Amon Chic, que vous connaissez simplement. L'image faisant le tour des réseaux sociaux a choqué nombre d'Ivoiriens en particulier et les internautes en général. Pour la presse en ligne, Kouassi, c'est le nom de la presse en ligne, c'est un porte-à-porte à l'ivoirienne. C'est un porte-à-porte à l'ivoirienne, tout simplement, titre ce journal en ligne, Bruno. Ouais, on sait un peu hein, comment parfois les journaux sont virulents et les parutions également. Et là, je pense que, enfin, je pense pas, hein, si je me mets dans l'esprit d'une célébration, d'une petite fête, d'un petit moment d'ambiance, il a déversé du champagne dans la bouche de son employé, certainement dans une atmosphère festive. Je pense pas que l'intention doit être interprétée à ce point-là. On parle de porte-à-porte à l'ivoirienne, mais aussi hein, il faut dire que c'est des parutions qui titrent également pour se faire vendre, pour faire acheter. Donc, Bien sûr. Je pense que chacun est dans son couloir. Exactement. Et c'est la Côte d'Ivoire aussi. Ah, donc, oui. C'est un pays où il y a quand même cette tendance-là à beaucoup se taquiner, à beaucoup flasher, beaucoup tirer. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que généralement, c'est pris très sportivement. Donc après, c'est souvent sans incident. Voilà, on en parle après, c'est incident clos, quoi.
Alors, l'autre affaire dont nous avons parlé lundi dernier, et nous revenons encore là-dessus, ça concerne cette famille, la famille Pogba, qui se déchire tout simplement cette affaire. Dans cette affaire, il y a une nouvelle vidéo qui circule. Mathias Pogba a fait une nouvelle vidéo. Il estime n'avoir rien révélé au monde encore au sujet, bien sûr, de son frère Paul Pogba, qu'il soupçonne d'engager un marabout pour nuire à son coéquipier de l'équipe de France. Je voudrais nommer Kylian Mbappé, qui est la star de Paris Saint-Germain. Je vous invite à suivre cette vidéo qu'il a faite tout récemment. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et quiconque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba. Et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie? Parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne voudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère? Serait juste un jaloux, David, d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère ? Pogba, cette affaire qui déchire la famille Pogba, simplement avec Mathias qui estime n'avoir rien révélé encore et que son petit frère Paul Pogba l'aurait trahi en voulant se protéger, en soignant son image avec des propos qu'il aurait confiés aux enquêteurs parlant de Paul Pogba, parlant de cette affaire. Je vous rappelle que c'est une affaire de sorcellerie. Paul Pogba aurait engagé un charlatan pour jeter un mauvais sort à son coéquipier de l'équipe nationale française. Je voudrais nommer Kylian Mbappé, une allégation que Paul Pogba a tout de suite nié à travers ses avocats en confiant aux enquêteurs qu'il a engagé plutôt un charlatan pour se protéger de ses blessures répétées. Une affaire qui n'a pas encore fini de révéler tous ses dessous, mais en attendant, des commentaires vont bon train. Claudicia s'est invitée à ce débat-là sur sa page Facebook. L'animateur de l'émission Couleur Tropicale sur Radio France Internationale estime que c'est l'argent qui pourrit les gens. Voilà. Chacun va de son goût, chacun apprécie la situation. Et comme j'ai toujours dit, la vie des stars, c'est aussi ça. Dès qu'une petite information concerne une star, ça emballe tout le monde. Tout le monde commence par s'intéresser. Ses fans, ses amis, sa famille, les professionnels, les observateurs, tout le monde s'y met. Et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une affaire. On va voir. C'est un feuilleton qui a commencé. On va voir sa fin, on va voir ses différentes étapes. Et puis, après, on pourra tirer les conclusions. Mais je pense qu'il y a Paul Pogba aussi qui fait des déclarations qui confirment un peu ce que dit son grand frère et en même temps qui infirme
une partie également de ce qu'il dit, parce qu'on parle de ce que Paul Pogba aurait reconnu avoir sollicité les services d'un marabout, mais pour se protéger, pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Donc voilà, petit à petit, on va venir. Suivre de près, voilà, ce feuilleton-là. Clairement. Encore que Mathias estime que son frère est mal conseillé et que lui n'a encore rien dit encore. Et lui se précipite pour sauver son image, voulant que Mathias pourrisse en prison. Et donc, lui, il a l'obligation de se protéger en voulant révéler aussi tous les dessous. On attend, nous, on est juste un spectateur joyeux. Voilà. Donc, quelle autre actualité ou ce sera tout pour ce matin? Ce sera tout pour ce matin, si vous voudrez bien. Voilà, ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous. On va découvrir également quelqu'un que nous aimons beaucoup au Bénin, qui est voilà une personne assez spéciale. C'est une star pour nous aussi. Hein. On parle de célébrités. Vous nous avez parlé des célébrités d'ailleurs. C'est quelqu'un que voilà nous considérons comme une célébrité également ici et même ailleurs, hein, très respecté de par ce qu'il fait, de par son parcours, de par ce qu'il représente, une grande figure simplement. Je ne vais pas dévoiler le nom. On va marquer une courte pause, le temps de l'installer ici. Rodrigo Ola Babagueto également est dans les parages. C'est lui qui va s'entretenir avec, on va dire, cette icône que nous allons recevoir dans un instant. Ceci, Asiba et Yab travaillent péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gari. Aujourd'hui, parce que fidèle au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité. Et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte Mobile Money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA. Fierté 229, c'est avec Rodrigo Ola Babagueto. Rodrigue, bonjour. Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir, je dirais, quelqu'un dont son nom est tellement, j'ai envie de dire, ronflant. Je ne sais pas si c'est le qualifié, mais c'est un grand nom simplement. Grand nom de par celui qui le porte, grand nom de par l'esprit de celui qui le porte. Bien entendu, chers téléspectateurs, vous avez sûrement entendu ce nom, peut-être même que vous le connaissez de par ses œuvres, peut-être également que vous le connaissez en tant que proche, en tout cas comme Romuald Razoumain, Chief, Zingpe et Edwige Akplogan. Ses œuvres sont exposées dans le monde entier. Il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau ce matin. Son nom, Charlie Dalmeida. Charlie Dalmeida, merci de répondre présent à notre invitation ce matin. Bonjour et merci de m'avoir invité ce matin. Alors, nous sommes ici pour mettre en lumière cette fierté du Bénin que vous êtes. Et pour ce faire, je vais me livrer à un exercice. C'est déjà de vous faire connaître au travers de votre prénom, ou du moins des 5 lettres de votre prénom. Charlie, ou du moins des 6 lettres, pardon. Charlie, alors pour le C, je trouve comme qualificatif contemporain, puisque vous faites partie de cette génération d'artistes qui a ouvert la voie de l'art contemporain au Bénin. Pour le H, je penche pour humaniste, puisque vos œuvres, justement, inspirent et vous vous basez sur des thèmes de prédilection tels que la famine, la pauvreté, la pollution, l'excision, la femme africaine. Pour le A, je penche pour africain ou africaniste, puisque c'est la culture qui vous inspire. Vous vous exprimez à travers vos œuvres avec une peinture plus soucieuse de l'état du monde. Et pour le R, je penche
pour récupérateur, puisque vous êtes un maître du recyclage, appelé aussi ailleurs upcycling. Et bien avant que cela ne devienne une mode, vous, vous en aviez déjà fait votre domaine de prédilection. Et pour la lettre L, je penche pour libre, parce que vous laissez libre cours à votre imagination. Et pour le Y, je penche pour yacht, puisque justement, aujourd'hui, vous exposez vos œuvres un peu partout. On va revenir un peu sur chacun de ces qualificatifs que je donne pour faire comprendre aux téléspectateurs cette fierté, cet artiste que vous êtes. Alors, pour la lettre C, comme je le disais tantôt, je penche pour contemporain. Alors, vous faites partie de cette génération d'artistes qui a ouvert la voie de l'art contemporain au Bénin. Déjà, on sait que vous êtes né en 1968 à Cotonou. À quel moment est-ce que justement vous décidez d'ouvrir la voie à l'art contemporain au Bénin? Merci Rodrigue. Vous savez, j'ai une petite histoire derrière. Moi, j'ai commencé dans les années 88-89, okay. Où il y a eu ce mouvement de, je vais dire, de la révolution, c'est-à-dire du système marxiste-léniniste pour aller à la démocratie. Oui, à la démocratie. Et voilà, donc j'ai passé une année blanche à la maison. Et la deuxième année se positionnait. Donc, n'étant pas quelqu'un, c'est vrai que j'aime le sport, mais mon penchant, c'était de l'art. C'est pendant cette période que j'ai commencé par m'amuser. J'allais vers tout matériau que je retrouvais. L'histoire de m'occuper, parce que voilà, les parents étaient très, très, très stricts. Donc petit à petit ça a commencé. J'étais au CEG Notre-Dame à l'époque et bon, c'était pas facile concilier les cours. Je disais que c'était pendant l'année scolaire, oui. Pendant l'année creuse, l'année blanche. Donc la rentrée a repris. Donc, il fallait concilier les deux, parce que je suis rentré dedans. Donc, ça a commencé, je parais très long, ça a commencé petit à petit. Du collège, après, je suis reparti dans la vie active, où j'ai rencontré j'étais en cadre de terminale. Oui. Là, après le dessus, déjà, sur mes études. Mais mes parents ne voulaient pas me laisser faire. Comme je disais dans une interview la dernière fois, je remercie les parents qui, aujourd'hui, soutiennent les enfants à aller dans ce sens de l'art. Parce qu'à l'époque, c'était difficile. Nos parents voulaient juste qu'on soit des cadres. C'est ça. En costume, médecin, ou voilà. Et donc, petit à petit, ça, voilà, c'était endurant. Pour revenir à votre question, c'était... D'où est-ce que justement, très vite, hein. Ça a commencé, cette passion pour l'art contemporain. Voilà. Donc, petit à petit, ça a commencé ainsi. Et puis... sur mon parcours, j'ai rencontré des gens. D'abord, je suis parti dans un atelier, puisque quand j'ai commencé, j'ai pas fait d'école, j'étais autodidacte. À un moment donné, le besoin d'aller vers, je dirais, une formation académique, ça s'est fait sentir. Pour vous professionnaliser, oui, en fait. Oui, parce que en moi-même, parce que je suis pas dessinateur. Ça. Je ne suis pas dessinateur, je suis venu au dessin. Donc, j'avais senti ce besoin d'aller me faire perfectionner quelque part. Et le seul endroit, le seul atelier qui existait, c'était l'atelier de Feu Joseph Boubli. Bien sûr, Feu Joseph. Dont je salue la mémoire. Et qui m'a accepté, m'a ouvert les portes de son atelier qui s'appelle Chica Deco à Kadjéon, où j'ai passé 5 ans. Très bien. Et du coup, c'est là que vous commencez à vous professionnaliser. Donc, et durant de nombreuses années, déjà, à quel moment est-ce que cette formation s'arrête et vous commencez maintenant à exposer vos œuvres? J'ai fini ma formation, c'était de 90 à 95. Et en 95, bon, comme on dit chez nous, mon patron m'a dit, Charlie, tu as les aptitudes, tu peux aller te chercher. Donc, je suis parti de là. C'est en ce moment, à partir de 95, que je suis rentré vraiment dans la vie active, dans la vie, commencez pas à me chercher. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont ouvert de petites portes.
je dirais pas de grandes portes, parce que voilà, qui m'ouvrait des portes, et pour aller faire des petites expositions aussi à au Salon international d'artisanat Ouagadougou, à la FIDAC, au Forum international de Dakar à l'époque, petit à petit, c'est ainsi que le chemin s'est dessiné. Et voilà, petit à petit, ben, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Très bien, et pour revenir maintenant sur cette seconde lettre de votre prénom, le H, qui m'inspire tout de suite, le qualificatif humaniste, vous, pourquoi choisir justement des thèmes de prédilection comme la famine, la pauvreté, la pollution, l'excision et même la femme africaine? Merci. En fait, vous savez, moi j'ai grandi ici. Donc, puis j'ai grandi dans un quartier sensible, hein, Zongo. Et où, sensible. Ouais, sensible, sensible. Et où on était confronté à la vie quotidienne qui, voilà, les jeunes n'avaient pas de boulot, les femmes qui, voilà, qui se débrouillaient pour jouer debout. Il y avait la mendicité. Donc j'ai grandi dans ça. Et quand vous parlez, parce que vous avez parlé du côté humaniste, c'est là où j'ai été touché par la vie, sachant aussi que, bon, j'avais pas la vie facile, hein, mes parents divorcés, j'étais à gauche et à droite, et tout ça, ça m'a formé. Et du coup, quand j'ai commencé par donner des dénominations, des titres à mes œuvres, mais j'allais dans ce sens-là, pour parler de, je parle de la pauvreté, je parle des enfants de rue, je parle de la maltraitance des femmes, donc, etc., etc. Très bien. Et justement, pour exprimer tout cela, vous vous y prenez avec, je vais dire, la fibre africaine. C'est juste, on en vient justement à la troisième lettre de votre prénom, la lettre A. Africain, vous êtes, déjà on le sait, hein, si vous êtes béninois, forcément vous êtes africain, mais africaniste dans l'âme, vous vous définirez ainsi, non? Oui, oui, bon, je ne dirais pas que je suis... pan-africaniste, mais tout ce que je fais dans ma vie, toutes mes compositions, toutes mes imaginations sont liées à mon origine, qui est l'Afrique. Et j'ai le devoir, comme je dis souvent, de faire la promotion de tout ce qui, vous savez, tout ce qui sort de l'Afrique, sachant que, par exemple, quand vous sortez du cadre africain, que vous allez dans les pays européens, oui, surtout dans le domaine de notre A est un peu classé, quand ils disent l'Africain, pour certains Européens. Aujourd'hui, ça a changé. Hein, ça a changé. Bien sûr, ça a changé. À l'époque, quand on dit l'Africain, ça donnait déjà une façon un A qui est inférieur à l'Européen. Et donc, je dirais que dans mon fonctionnement, j'ai toujours milité pour valoriser mon origine. Donc tout ce que je fais, je pense à l'Afrique. Justement, et de quelle manière est-ce qu'on arrive à distinguer l'art africain de l'art européen, par exemple? Vous, au travers de vos œuvres, de quelle manière est-ce que vous vous particularisez, si je peux le dire ainsi? Moi, comme je vous disais, je suis né en Afrique. Je suis né au Bénin, à Cotonou, j'ai grandi un peu avant de partir. Et donc, dans mon travail, surtout, je parlerai de mon travail sculptural en trois dimensions. J'utilise que les matériaux de chez nous. J'utilise les matériaux qui rentrent dans la célébration de nos cérémonies traditionnelles. Okay. Et ce sont ces matériaux que j'utilise et qui font que dans mon travail, on ressent le côté africain. Déjà, mon travail à côté d'un travail d'un artiste européen, pour ceux qui ont cette connaissance, ils voient tout de suite la différence. Donc, je me donne le devoir de faire des recherches de sculpture sur ces matériaux qui sont les matériaux de notre quotidien, de notre vie, de notre culture. C'est ça. Et justement, vous vous servez également de matériaux, on va dire, d'objets recyclés, ce qui fait de vous justement un récupérateur pour coller à la lettre R de votre prénom. Vous prenez n'importe quel objet ou il y a des objets spécifiques sur lesquels vous vous appuyez pour ce recyclage-là? Alors, je récupère des objets qui me parlent. OK.
Parce qu'en fait, tous les objets ne vous parlent pas forcément. Parce que j'ai des amis, depuis que je fais de la récup, il m'a appelé à dernière fois, Charlie, j'ai mon brasseur que je n'utilise plus, tu viens te chercher. Et j'ai répondu, pour ne pas choquer, un collectionneur. je vais chercher le brasseur, mais je dis à mon ami, en fait, je récupère des pièces qui me parlent. Je ne travaille pas tout. En fait, l'artiste qui récupère une matière, une pièce, il y a un échange à la première vue de l'objet. Il y a un échange entre l'artiste et cet objet-là, même qui est sur les cartes d'ordures. L'objet nous donne tout de suite une orientation de ce qu'on, si on l'apprend, de ce qu'on doit faire avec. Forcément. D'accord. Donc, oui. L'objet vous parle, en fait. L'objet nous parle. D'accord. Et du coup, c'est ce que vous dit l'objet que vous accouchez, on va le dire. Exactement. Ainsi, exactement. Du coup, avec vous, une chaîne de vélo peut devenir, par exemple, une bouche. Une bouche ou un collier. Ou un collier d'un personnage. Super. Tout de suite. Ou même une chaîne de vélo peut être servie à faire des tresses du statut. Et on vient maintenant à la lettre L, justement. Vous parlez d'objets qui vous parlent, vous vous sentez libre aussi. Et dans cette liberté d'expression, on va le dire ainsi, vous formez différents masques, des masques ronds, ludiques, qui sont justement une de vos spécialités. Je parle déjà de la liberté, oui. La lettre L. L'artiste que nous sommes, on est très libre. C'est ça. Très libre parce que, comme certains acheteurs, certains collectionneurs me demandent, mais vous travaillez tout le temps? Je dis non, je ne travaille pas tout le temps. Je travaille quand je me sens inspiré. Okay. Donc déjà, la lettre L, on a cette liberté-là, qui nous permet de nous exprimer librement sans heurter l'autre. Okay. Et donc parlons un peu de cette liberté qui m'amène à aller. Alors je rectifie quelque chose. Dans ma démarche, je ne parle pas de masque. C'est personnel. Je parle de visage. De visage, pas de masque. C'est pas de masque. Pour moi, alors c'est rectifié en tout cas. Parce que quand on parle de masque. Pour moi, c'est un peu péjoratif dans l'histoire où tout ce qui est masque a été très vulgarisé. Et moi, j'ai choisi parler de visage. De visage, carrément. Autant pour moi. Et donc, ces visages que je fabrique, que je façonne, mais je vais vers les... Quand je dois faire les visages, je vais souvent vers la récup des pièces, je dirais, un peu rondes. Qui me donne déjà la forme initiale d'une tête ou d'un visage. Et après, je prends chaque forme ronde sur laquelle je mets des expressions. Ça peut être des expressions assez tristes, ouais. Comme ça peut être des expressions assez gaies, très humoristiques. Très bien. Et on en vient à présent à la lettre Y, la dernière de votre prénom, pour laquelle je parle de yacht. Déjà, le yacht, on sait que c'est un bateau de plaisance, mais de luxe. Et justement, vous, aujourd'hui, vous êtes ce grand artiste qui fait dans des œuvres, on va dire, de luxe, puisque aujourd'hui, vous exposez vos œuvres non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, en Australie et aux États-Unis. Non, mais aujourd'hui, on se demande, Charlie d'Almeida, demain, à quoi est-ce qu'il pense? D'abord, je vais rebondir sur l'histoire de yacht aller vers le luxe. Oui. J'ai toujours dit à mes jeunes artistes, mes petits frères, comme je le dis, la vie, c'est un choix. C'est-à-dire que vous définissez vous-même votre lit, dès la base. Moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par des parents très stricts, très, je dirais, pas très chic, mais bon, comme on dit chez nous, on est des Agoudas. Ah, les Agoudas. Donc, on a une façon de s'habiller, une façon de voir les choses assez, je dirais, assez vicieuse. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, ma démarche doit être une démarche propre, instructive, mais qui va être nickel. C'est ça. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans mon travail de sculpture, je dis à tous mes collaborateurs, on doit mettre la finesse. C'est-à-dire que le regard extérieur n'aura rien à nous reprocher.
Ça, c'est important. C'est un message que je profite passer à nos jeunes frères artistes qui, parfois, pensent que, quand on parle de la récup, il faut ramasser le métal, souder, puis jeter. Non. C'est tout un détail. Et quand vous travaillez avec beaucoup de finition, beaucoup de détails, c'est sûr que les œuvres iront loin. Donc, je vous remercie. C'est ma vie aujourd'hui. D'aucuns me trouvent trop chic, je leur dis, vous savez, durant longtemps, pourquoi aujourd'hui les parents vont jusqu'à motiver leurs enfants à faire de l'art? C'est tout simple. Notre génération, qui est la troisième génération, je parle de Zipper, je parle de Chief, je parle de Razoumain, est notre aîné, il faut le reconnaître, tout bien le respect. C'est pas tout à fait la même génération. Nous, ouais. Notre génération, c'est la génération Chief, Zipper, Gérard Kenorm, Edija Plogan, Midi, etc., sans oublier. Et donc, cette génération, on a compris qu'il faut pas faire comme le temps passé où nos artistes étaient un peu mal habillés, avec beaucoup de l'orgue sur la tête, ce qui fait que socialement, ils n'arrivent pas à intégrer la vie. Ils étaient rejetés. Okay. C'était ça le problème. C'était, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles nos parents ne voulaient pas nous laisser embrasser ce métier-là, parce qu'on revient toujours avec des stupes, dans les états, vraiment pas. Mais nous, on a compris que faut casser ça. C'est ça. Faut casser ce cliché-là. Et quand nous, on a commencé il y a 32 ans, on a compris qu'il faut renouveler les choses. Et c'était comme si on s'était entendu. Mais comme on dit, quand l'un fait, l'autre a envie l'autre de faire. A envie de faire, bien sûr. Donc aujourd'hui, ça a pris. Et les parents qui nous voient sont fiers. Et aujourd'hui, motive les enfants à embrasser ce métier qui est là. Parlant justement de cette motivation, un mot sur la dynamique dans laquelle s'inscrit le gouvernement aujourd'hui dans le secteur de l'art. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous savez, comme je dis, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de... Pour parler même de la considération des artistes, ouais, jusqu'à la promotion de l'artiste, des artistes, je tire un grand chapeau à ce gouvernement. Et je leur demande d'en faire plus parce que déjà, ils en font assez, mais nous les artistes, on est des assoiffés. C'est-à-dire que, comme on dit, quand on nous donne un peu... Les insatiables. Vous savez, aujourd'hui, sans vous cacher, les artistes commencent par avoir une vie décente. C'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui peut construire sa maison, puis acheter sa voiture, et ça avait déjà commencé, mais ce gouvernement a vraiment mis un élan. Et vous allez voir, d'ici 5 ans, 10 ans, nous les artistes, bon, surtout ceux qui arrivent, vont avoir une vie assez stable. C'est-à-dire qu'ils pourront déjà vendre leur œuvre à de bons prix, parce qu'il y a des collectionneurs qui ne commencent pas à arriver et qui vont continuer à s'intéresser au Bénin, dont les artistes vivront mieux. Très bien. Très bien. Alors Charlie, on vient petit à petit au terme de ces échanges. En dernier mot, quelle est l'actualité de Charlie d'Almeida? Et même ses projets. Bon, mais mes actualités, en fait, moi je suis rentré en... Je vais rapide, je suis rentré en 2010 et l'idée, c'est pour revenir. Je suis revenu et j'ai créé ma galerie qui s'appelle Galerie Charlie. Bien sûr. Et je dis, cette galerie, elle est ouverte au public. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je reçois beaucoup de jeunes qui viennent me voir, beaucoup de jeunes que je coach, parce que j'aime ça. Ouais. Et mes projets, c'est de continuer par aider ces jeunes-là, parce que, comme moi je dis, nous, on est en train de faire notre chemin, on va partir un jour. Mais il faut préparer la relève. Parce que si on ne prépare pas la relève, tout ce qu'on aura, tout ce qu'on a posé comme acte, vont pas être... en fait, après, si on prépare pas la relève, il n'y aura pas une bonne suivi. Et donc moi, mon point sensible aujourd'hui, c'est d'aider les artistes.
Vous savez, je suis le directeur artistique du projet Nova de Nouveautel, qui constitue à exposer deux artistes, c'est-à-dire on fait un binôme tous les 3 mois. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur et je me bats. C'est un projet, je travaille de façon bénévole, mais ce que j'en gagne, c'est énorme. Je rencontre les artistes avec qui je discute et que je coach. Et alors, quand je les vois évoluer, vous savez, en 2015, j'ai pris en compte quelques 10 artistes. Aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 qui voyagent avec nous, qui montent très fort. Et ça, c'est ce que moi j'attends de ma vie. Voilà. Donc, je dis merci de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer et continuer aussi à toujours inviter les artistes, à inviter nos petits frères qui ne sont pas connus, qui viennent, qui parlent d'eux, parce qu'on a besoin de vous. Et comme je le dis, certains journalistes de ce pays, je leur dis merci, un grand merci, si vous me permettez. Hein, allez-y. Les gens comme Luc Aimé Dansou. Bien sûr. Bocom Iché, je sais qu'il y a Bocom Iché qui nous a beaucoup aidé. Il y a un troisième qui n'est plus. On leur dit merci parce que, vous savez, c'est eux qui nous ont fait. C'est ça. Moi, je parle. Je remercie ces journalistes. J'ai oublié quelques noms. C'est eux qui nous ont fait parce que sans vous, on n'est pas connus. Nous, on est nés pour travailler. Mais c'est vous qui faites notre promotion. Donc, je dis merci à ces gens qui m'ont apporté beaucoup. Et je vous demande, à vous qui êtes là aujourd'hui, de continuer par accompagner les jeunes talents. Voilà, de tendre la main à la jeune génération que vous êtes en train de former pour, donc, on va dire, pouvoir monter la relève. Rodrigue, merci beaucoup. Hein. C'est toujours un plaisir, Bruno. Voilà, d'avoir fait cette bonne pioche, hein, je le dis toujours. Vous faites vraiment la fierté. Quand on voit ce que vous faites dans le domaine de l'art, c'est simplement monstrueux, dans le bon sens, bien sûr. Allez, merci beaucoup. On va vous souhaiter très bonne journée, puisque cette émission va se poursuivre. À présent, on va parler dans un instant avec les débatteurs. Ça va être l'instant talk des familles monoparentales, la vie dans les familles monoparentales. C'est jamais simple. Et les invités, ils sont déjà là. On marque la courte pause, juste 10 secondes, le temps pour nous de les installer. Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Hein? Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa. Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout seul? Elle connaît tout. Va me chercher par où? Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. C'est l'instant talk dans la parenthèse 40 minutes pour en débattre. On parle aujourd'hui des familles monoparentales. Vous le savez, c'est un phénomène qu'on observe dans notre société, des familles qui se retrouvent pour des raisons diverses à avoir soit le père, soit la mère élevé tout seul. Les enfants, tout seul au monde, c'est assez difficile d'avoir toute une charge de conduire le destin des enfants, d'assumer les charges financières et l'éducation des enfants.
sans l'autre moitié, c'est toujours compliqué. Et on en parle avec mes invités. Ils étaient déjà là il y a quelques jours. On a remis ça aujourd'hui avec eux parce qu'ils sont tellement bons. Nabil Garba, bonjour. Bonjour. Voilà, le juriste, hein, père de 5 enfants de ce foyer. Pas, n'évolue pas en famille monoparentale. Hein. Il est bien en couple, hein, il faut le dire. Et juste à côté de vous, notre cher ami fidèle en vous, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, le psychologue danse de ce plateau, vous allez le constater, que j'aime bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eddy Kamikoto, notre très fidèle de ce plateau, fidélité de Colombe, comme j'aime à le dire. Bonjour et merci. Bonjour, Bruno. D'accord. Bonjour. Et juste à côté, Rodrigo La Baba Guitor, qui est resté. Alors, on va vite attaquer, hein, avec vous, fidèle en vous. C'est quoi une famille monoparentale? Merci à tous les téléspectateurs. La famille monoparentale, il faut revenir à la définition en partant simplement de ce diminutif qui commence le groupe nominal qui est mono. Mono renvoie donc au seul, qui sera le contraire de biparental. Quand on parle de mono décomposé, donc monoparental, c'est une famille où la seule autorité en présence de l'enfant qui a besoin d'être éduqué est un parent. C'est inhabituel parce que chaque fois qu'il y a un enfant à éduquer, il y a la présence des deux parents. Une famille monoparentale, donc, c'est une famille dans laquelle la responsabilité revient à un seul parent au lieu de deux parents. Ce n'est que ça. Un parent est celui qui peut être le géniteur, celui qui peut accompagner l'enfant, mais il se retrouve seul dans son rôle. Cela laisse place à beaucoup de difficultés. Cela peut être compris par beaucoup de causes et cela peut donner lieu à des situations pénibles. On y reviendra sûrement. Et justement, qu'est-ce qui peut causer le fait qu'une famille qui est partie de la biparentalité, si je peux m'exprimer ainsi, à la monoparentalité? Merci. Je pense que ordinairement, on pense aux situations de divorce, de séparation. Ou même de décès. Oui, ou de décès. Et je précise divorce ou séparation. Parce que deux personnes peuvent divorcer, mais deux personnes sans avoir divorcé peuvent se séparer ou peuvent rester, comme on le dit souvent, en séparation de corps, voilà. Papa est ailleurs, maman vit aussi ailleurs, mais ils ne sont pas divorcés. Et puis vous l'avez si bien noté aussi, les situations de décès d'un des conjoints. Et puis plus loin, il y a aussi que pour des raisons professionnelles, un des conjoints peut être appelé à quitter le foyer conjugal pour plusieurs années. Et cela donc amène à vivre l'expérience de la monoparentalité. Et donc, dans ces conditions, les enfants sont appelés à vivre au quotidien avec le seul parent qui est resté présent dans le foyer. Puis, il faut remonter aussi dans les causes lointaines. Et parlant de causes lointaines, c'est peut-être aussi des mariages mal contractés. Et quand je parle de mariages mal contractés, on s'est marié sur un coup de tête ou on s'est marié parce que nous sommes ensemble sans véritablement nous connaître et un enfant intervient. Puis, on décide de se mettre ensemble puisqu'on pense à l'enfant. Et c'est aussi des situations qui interviennent quand on n'a pas suivi véritablement les étapes qu'il faut avant d'aller au mariage. On ne se marie pas sans, par exemple, passer par l'amitié, la connaissance, les fiançailles. On fait tout ce qui a lieu de faire dans le rite qui conduit finalement au mariage, c'est-à-dire le mariage traditionnel, le mariage civil et puis le mariage religieux si on le souhaite. En fait, toutes ces étapes, c'est vrai que cela ne garantit pas forcément que le couple reste ensemble. Mais c'est quand même le moyen le plus sûr pour avoir un certain nombre, de réflexes
un certain nombre d'informations, voilà, par rapport à l'autre. C'est aussi la possibilité qui est donnée au conjoint de connaître son ou sa partenaire, de connaître ses habitudes, de connaître ses qualités, ses défauts. Et c'est tout ça mis ensemble, en fait, qui solidifie la relation de couple et pourrait prévenir une certaine séparation ultérieure. D'accord. Alors Rodrigo La Baba Bueto, quelle est l'importance pour une famille de rester unie? Parce que là, on a évoqué les causes, c'est sûr qu'il y a des conséquences et Fidèle, on vous va nous en parler dans un instant. Quelle est donc l'importance pour un couple de rester plutôt uni? Je pense que si on regarde un peu l'impact que doivent avoir les parents sur la croissance, sur l'éducation de l'enfant, il est important que les deux parents restent unis pour veiller, pour assurer en fait une certaine veille. Parce que il faut l'enfant, déjà lorsqu'il naît, pour sa croissance, a souvent besoin de l'équilibre. À des moments donnés, de l'amour du père, de la chaleur du père, et je dirais même plus, peut-être même de la rigueur du père. Et d'un autre côté, il a également besoin de la chaleur de sa mère. Pourquoi est-ce que je parle de rigueur de père? Parce que dans nos sociétés aujourd'hui, on se dit souvent, ah, c'est le père qui est souvent... Les pères sont voilà, comme le père fouettard. Exactement, et la mère est là pour... C'est ça. Donc, si on considère un peu ce schéma-là, il est important que l'enfant puisse avoir les deux parents auprès de lui pour pouvoir être équilibré. D'accord. Parce qu'on le voit, moi j'ai connu par exemple plusieurs qui, simplement du fait de la séparation de leurs parents, se sont retrouvés à virer dans le chaos. Oui, parce qu'ils se sont retrouvés à être de véritables cas sociaux aujourd'hui, et c'est triste, voilà. Et c'est triste simplement. Alors, moi j'ai une question, parce que dans notre société, il a dit, la séparation, le divorce, ça renvoie automatiquement à la monoparentalité. Mais est-ce que un couple qui se sépare, où il y a rupture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour entre le père et la mère, ces deux-là qui ont fondé un foyer, est-ce que ça devait tout de suite conduire à la monoparentalité? Parce que là encore, il faut revoir le concept de monoparentalité. Est-ce que la monoparentalité, c'est le fait qu'un des deux parents se lave les mains complètement ou se désengage de l'éducation des enfants, ou le fait que les enfants soient sous le toit avec un seul parent? Parce qu'on peut être séparé, mais être impliqué tous deux dans l'éducation des enfants, et donc rupture, pour moi, ne devrait pas rimer avec monoparentalité. Je ne sais pas quel est votre avis sur la question, monsieur le juriste. Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, je voudrais revenir sur les causes. D'accord. Il y en a qui ont été citées, mais aujourd'hui, il y en a qui apparaissent, mais qui sont plus banales encore. Qu'on néglige, c'est justement le choix pour les mères aujourd'hui d'être monoparents. C'est-à-dire le choix pour une femme d'assumer la charge et de ne pas être sous les ordres d'un homme ou sous le toit d'un homme. Ou, ça c'est vrai. Ou carrément de tomber enceinte d'un homme et de se dire, qu'il veuille assumer ou pas, je suis là, je vais garder mon enfant, je gère. Alors voilà. Ça, c'est une bonne cause. C'est une cause qui est justement aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'évolution de la technologie et tout le reste, et c'est une cause qui malheureusement se répand. Ouais. Et on ne réfléchit souvent pas à ce que deviendra l'enfant après, mais on se dit, je gère. Et c'est moi. Alors, vous posiez la question également de est-ce que la rupture entre les deux parents devrait impliquer en même temps la monoparentalité? En on principe, peut être séparé et être tous deux impliqués dans l'éducation des enfants, oui, comme si on était sous le même toit. Tout à fait. Ce n'est pas facile parce qu'il faut d'abord savoir ou se demander ce qui a conduit à la séparation. Et parce que si on s'est séparé, comme Eddy l'a dit tout à l'heure, oui, on peut se retrouver dans une situation de monoparentalité parce que les parents
ont des situations professionnelles qui les obligent à ne pas vivre sous le même toit. Dans ces conditions, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mésentente. C'est une situation qui est arrivée. On peut vivre assez facilement et le retour de l'un ou de l'autre des parents et en famille à tout moment. Ouais. Mais lorsqu'on s'est séparé pour des raisons un peu conflictuelles et que on n'est plus ensemble, c'est généralement qu'on n'est plus ensemble. Et vous savez un peu, quand on se sépare par exemple et que les enfants sont en bas âge, et généralement les enfants restent avec la mère qui veut... Ça encore, est-ce que c'est légal ou c'est notre société qui est comme ça? Parce qu'on a tendance tout de suite à récupérer les enfants quand on est femme et on se oui, dit que... c'est légal et c'est en même temps notre société. Légal parce que la loi vous... Écoutez, quoi que vous fassiez, vous allez devant un juge pour réclamer la garde des enfants. Oui. Et le juge s'appuie sur les textes, mais en même temps, sur ce que vous vivez. Si la mère, a priori, n'est pas incapable de garder l'enfant en bas âge, il l'a dit tout à l'heure. Si elle remplit certaines conditions, on peut lui laisser la garde des enfants. On lui laisse la garde des enfants. Mais est-ce que la garde des enfants, est-ce que ça écarte tout de suite le père, enfin, non. Celui qui n'a pas la garde des enfants juridiquement, est-ce que lui, ça l'écarte du coup de l'éducation? Moi, c'est mon problème. Non, pourquoi? Si les deux parents s'entendent, c'est que les deux parents contribue à l'éducation des enfants. Des enfants. Généralement, ce que fait le père, c'est de contribuer financièrement, mais pas sa présence. C'est ça. Sa présence, quelquefois, oui, le père qui va chercher les enfants, qui va passer un week-end avec eux, ou qui va les chercher pour faire les boutiques et tout, et les ramène. On sait qu'ils ont un père et tout, mais et tout le reste du temps, ils sont avec le parent, en tout cas, qui a la garde. D'accord. Alors, on va y revenir. On va donner la parole à Fidèle en vous. Moi, je continue pas à poser cette problématique. Est-ce que parce qu'on a rompu, parce qu'on a eu des problèmes entre monsieur et madame, est-ce que tout de suite, ça devrait impliquer la monoparentalité? Est-ce que si vous êtes en conflit avec votre femme, ça veut dire que les enfants doivent forcément payer les pots cassés? Il faut bien savoir faire la différence entre le différent que vous avez avec votre femme ou votre époux et l'éducation des enfants qui implique normalement les deux parties. Mais on remarque aujourd'hui que le conflit va au-delà des deux conjoints et implique les enfants dans le sens où on monte parfois les enfants contre celui qui a quitté le foyer. On a tendance même à interdire les enfants de le voir, à l'interdire de voir les enfants en retour. C'est compliqué, ça. Bien, en posant cette problématique, vous faites ressortir un aspect non perçu de la monoparentalité ou des causes de la monoparentalité. Et cet aspect-là, c'est précisément que parfois les deux parents sont en présence et il y a monoparentalité. Monoparentalité. C'est-à-dire que le père et la mère sont là. Et il y a monoparentalité. Comment c'est possible? C'est possible parce que la monoparentalité peut être en ce moment marquée par une absence symbolique du père. Il est présent, mais il est absent symboliquement. Parce que toute présence, on parle du partage du rôle parental. Dans le partage du rôle parental, l'un accorde à l'autre la conformité d'exercice de son rôle. Si vous êtes père et que je suis mère, c'est moi qui prouve votre paternité. Ouais. Si vous êtes père et je suis mère, c'est vous qui prouvez ma maternité. Ouais. Rien que par votre présence et par le fait que vous cautionnez un certain nombre de responsabilités, d'autorités que j'exerce. Je prends juste le cas de la présence d'un père et d'une domestique. L'enfant remarque automatiquement que la personne qui est en face n'est pas sa mère et n'a pas l'autorité de mère, bien qu'il y ait présence d'un père et d'une mère ou de deux personnes adultes de sexe opposé. Autrement dit, c'est la présence de l'autre parent qui rend conforme l'exercice de l'autorité et de la responsabilité de l'autre parent. Et qui la légitime. Et qui la légitime. Dès cet instant, je peux bien sûr être père en présence des enfants et les enfants vont vivre une monoparentalité, parce que ma présence n'est pas tolérée, cautionnée, confirmée et validée par la mère.
Rien que par des paroles. Rien que par des paroles. Et des commentaires. Et des commentaires. L'enfant finit par déduire qu'il n'est pas en posture, il n'a pas la maturité, il n'assume pas sa responsabilité. Dès cet instant, les enfants vivent en présence des deux, mais considèrent que la seule personne qui est en mesure d'assumer la responsabilité parentale, c'est la mère ou c'est le père. Et l'autre personne qui est défavorisée est là sans assumer le rôle. On verra les implications. La monoparentalité donc peut être observée bien qu'en présence des deux parents, mais l'un n'a pas été validé par l'autre. C'est une forme non perçue. Dès cet instant, même sans rupture, même sans séparation, il y a monoparentalité. Parce que la problématique que vous posiez, c'était est-ce que la rupture suppose monoparentalité? Même sans rupture, on peut observer dans une même famille une monoparentalité parce que les deux parents sont là. Il y a chacun qui veut, bien sûr, assumer le rôle, mais l'un qui invalide l'exercice de la parentalité de l'autre. De mille manières. Hein. J'ai des ressources, je néglige. Il y a ce qu'on appelle la négligence progressive qui va agir et l'autre va se sentir, je suis là, mais je ne sers à rien. Autant parti. Cela dit, nous pouvons dire qu'il y a monoparentalité dès qu'il y a un seul parent qui vit ou qui exerce effectivement l'autorité parentale. Et que l'autre est plutôt effacé. Et l'autre est effacé facultatif. L'autre a présence symbolique ou absence symbolique, c'est que le parent est suffisamment occupé. Il passe toutes les nuits dans le domicile conjugal et donc dans l'environnement familial, mais il n'est jamais vu. D'accord. C'est-à-dire, il part quand les enfants sont encore en train de dormir et il revient quand les enfants sont couchés. La seule personne qu'on voit et qu'on rencontre tout le temps, c'est la mère peut-être. Et cette mère n'a pas l'amabilité de préciser, de jouer, de ramener la présence du père. Parce que je peux bien sûr être absent sur 10 ans et être très présent dans la vie de mes enfants. C'est-à-dire, la mère joue tout le rôle. La mère pose un acte en disant votre père vient de faire ceci, il vient de vous rappeler, votre père a dit ceci, en partant il a laissé tel message, et tout de suite on va faire une réunion, je vais appeler votre père qui va intervenir, et il est tellement éloigné, mais suffisamment présent dans la vie des parents, dans les enfants, il y a biparentalité, malgré la longue distance. Malgré l'éloignement. Ça veut dire que l'aspect monoparentalité peut exiger la présence, l'absence contrôlée par la mère, ou bien on peut corriger une monoparentalité par la présence ramenée par la mère à la conscience de l'enfant. Autrement dit, c'est toujours une mère qui indique un père. J'ai M. Gaba ici, la présomption de paternité. C'est la mère qui indique et qui fait le père. C'est la mère qui fait dans la conscience de l'enfant, c'est ton père. Si la mère dit, c'est pas ton père, tu auras beau être le père légitime, tu ne seras pas le père. Tu te sentiras rejeté. Et donc, parce que dans l'esprit de l'enfant, la rupture suppose effectivement monoparentalité, mais cette rupture peut être corrigée si la mère qui est en présence ou le parent qui est en présence ramène constamment dans les débats le père et légitime le père le temps de le ramener physiquement. Monoparentalité ne suppose pas rupture si la mère ou le parent présent essaie de corriger la tendance en ramenant la conscience constamment de l'enfant. Mais ce qu'il a évoqué tout à l'heure, qui est rapidement évident, la plupart du temps, quand on évoque monoparentalité, c'est sous fond de séparation, de divorce, de mésentente, de conflit. Dès cet instant, on n'est pas parti en demeurant des amis automatiquement. On est parti en faisant l'effort d'effacer de sa conscience l'existence de l'autre. On ne veut donc pas tolérer, ramener non seulement à la conscience de soi-même, avant de ramener à la conscience de l'enfant. Donc le vide se creuse. Pendant ce temps, l'enfant désire la présence du parent absent. C'est ça. Tous les enfants qui vivent en monoparentalité finissent par aimer et désirer ardemment la présence du parent absent. Par un phénomène simple. Lorsque un de vos parents n'est pas là, vous l'aimez plus parce que vous vous dites, si lui il était là, il n'allait pas percevoir les choses de cette manière. Un père seul joue le rôle de deux personnes et n'arrive pas. Une mère seule joue le rôle de deux personnes et n'arrive pas parce qu'il voudra être dans la peau, elle voudra être dans la peau de l'homme, elle voudra s'exiger. Et ça crée tellement de dysfonctionnements au niveau de l'enfant.
C'est ce que je peux dire. On va revenir sur les implications parce que vous avez promis les aborder. Donc, votre prochaine prise de parole, ça va être les implications. Mais en temps, Camille a voulu réagir sur les propos, je pense. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon déjà? Oui. Je pense que M. Nabil est allé un peu plus loin et c'est bon. Voilà, donc vous avez été magistral, simplement. Mais justement, de façon naturelle, une fois que la monoparentalité s'est installée et que voilà, c'est devenu irréversible, qui pensez-vous du père ou de la mère mieux outillé? C'est une question difficile, j'avoue. Mieux outillé pour assumer la monoparentalité de façon naturelle. Vous savez, dans l'un ou l'autre des cas, ce n'est toujours pas aisé. C'est voilà. Clair. Ce n'est toujours pas aisé. Et déjà, il faut reconnaître quand c'est la mère seule ou le père seul qui est présent, habituellement, il se pose un problème d'éducation. Éducation parce que les mères sont habilitées à transmettre les valeurs éducatives. Déjà qu'ils ont porté l'enfant pendant 9 mois, ils ont commencé par l'éduquer dans leur sein. Et donc la mère a plus de disposition, plus de prédisposition à inculquer les valeurs éducatives morales que le père. Ce n'est pas gaillé d'avance et pas forcément parole d'évangile, mais c'est ce qui est plus constaté. Ensuite, il faut dire que l'absence permanente du père, quand c'est lui qui a à charge la famille monoparentale, peut malheureusement influencer le développement aussi bien physique, psychologique, moral que social des enfants. On suppose que c'est le père qui doit aller chercher de l'argent. Et donc, il n'est souvent pas à la maison. Monsieur Ronvo l'a dit, avant que les enfants n'aient eu le temps de se réveiller, le matin, il est déjà parti. Et le soir, avant son retour, les enfants sont déjà couchés au lit. Et donc, il n'a pas véritablement le temps, de les voir, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Et plus loin, avec le père, on pourrait aussi assister en griffe à une difficulté d'alimentation. Je ne dis pas que tout go, les hommes ne savent pas préparer, mais il faut l'avouer, les mères savent mieux faire la cuisine. Non, mais c'est vrai, si papa n'avait pas pris l'habitude, non, par mais, exemple. Non, mais il faut le dire. Vous savez, cuisiner une fois en passant, c'est bien facile pour un homme, mais quand ça devient tout le temps, tous les jours, voilà, ça peut constituer une corvée pour papa. Et donc, il sera obligé de faire des commandes au dehors, oui. Ce qui n'arrange pas forcément les enfants, parce que tout ce qui vient de l'extérieur aussi n'est pas ce qu'on aurait souhaité faire soi-même de ses propres mains. Et puis, à côté, quand c'est la mère qui est présente, qui est la seule autorité ou la seule personne au sein de la famille, il y a peut-être l'autorité qui pourrait manquer. De façon naturelle aussi, on pense que c'est le père qui est l'autorité. Eh bien, dans notre culture, quand on entre dans une maison, on demande souvent « huetolo ». On ne dit pas « huenolo », on dit « huetolo ». En fond, c'est pour dire le chef de famille. Et donc, c'est lui qui incarne l'autorité. Et quand c'est la mère qui est présente, cette autorité peut en arriver à être défaillante. Et puis, dans une famille monoparentale où c'est seule la mère, il y a la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité suppose que c'est papa qui travaillait, c'est papa qui était le faiseur d'argent, mais désormais, il n'est plus là. Ça veut dire que maman se retrouve confrontée à des situations difficiles qu'elle doit gérer. Elle doit gérer peut-être le loyer, comme M. Ronvo le disait, si papa, les factures d'eau, d'électricité, la scolarité, la santé, le déplacement, l'alimentation et beaucoup de choses. Ouais, et donc, ça constitue un poids sur elle. Ce qu'elle n'avait pas prévu, elle est obligée parfois de le faire. Et dans ce cas, nous voyons des personnes qui sont obligées de se livrer à des activités ou à des comportements peu recommandables, juste pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et donc, l'absence de ressources économiques pourrait se faire remarquer quand c'est la mère seule qui gère le foyer. Et on peut dire que la vulnérabilité aussi, hein, dans le sens de défense, hein, de voilà, famille sans défense, parce que une famille sans père, j'ai envie de dire, quand on voit que c'est la maman, c'est en termes de défense, parce qu'on sait ce que représente l'autorité d'un père dans une famille. Bien sûr. C'est plus facile d'attaquer une femme qui n'a pas sans défense que d'attaquer une femme dont vous savez qu'il pourrait avoir une représaille. C'est arrivé bien de fois où les braqueurs ou les voleurs étaient venus dans des maisons où papa était en voyage. Papa n'était pas présent et donc c'est plus facile, comme vous le disiez, d'attaquer une femme quand
elle n'est sous le toit d'aucun homme. Oui. Et la vie de mère célibataire, ce n'est pas aussi une vie véritablement favorable aux femmes. On a eu beaucoup de mères qui ont témoigné des difficultés qu'elles rencontraient dès qu'elles se sont séparées de leur mari pour une raison ou pour une autre. Oui. Et donc, dire que la situation de monoparentalité est plus difficile, malheureusement, à vivre pour les dames que pour les hommes. Seulement, il faut l'avouer, il y a des mères aujourd'hui qui, même dans cette posture de monoparentalité, ont pu relever le défi de la bonne éducation de leurs enfants. Mais ce n'est pas donné aussi à toutes les mères. Il faut avoir un mental d'acier pour y parvenir. Et ce n'est pas gagné d'avance. Rodrigue, votre avis sur la question? Bon, je crois que notre cher Eddie Cotto a abordé hein, tous les angles au risque de le répéter. Je dirais juste que quel que soit le type de parent, c'est-à-dire que ce soit le père ou la mère, forcément l'absence de l'autre crée un manque. Nécessairement, l'absence de l'autre crée un vide, ouais. Un déficit. Et moi, souvent, j'aime bien dire sur ce genre de sujet que si je dois conseiller à un couple qui se décide à rompre, de laisser la garde de l'enfant à un parent, moi, je pencherais plus pour que l'enfant reste avec la mère. Pourquoi? Parce que, comme Eddie Cotto l'a dit, la mère a plus de facilité à transmettre les valeurs quand elle aussi elle est bien éduquée. Oui, c'est très important de le dire parce que logiquement, en temps normal, quand on se met en couple, on est déjà d'éducation différente. Oui. Et lorsqu'on se met ensemble, je vais dire qu'on donne à son enfant, en fait, une éducation déjà sur laquelle on s'est entendu en tant que parent. Où est-ce que je veux dire? Très bien. Du coup, la mère, quand elle est bien éduquée, a plus de facilité à transmettre les valeurs éducatives. C'est raisonnable aussi, puisque les enfants passent plus de temps avec leur mère. Vous ne me direz pas le contraire, Bruno, puisque vous êtes ici depuis... C'est clair, depuis 5 heures. 5 heures, et vous rentrerez encore très tard le soir, du coup. Ils ne m'ont pas vu au réveil. Hein. Voilà, donc la mère a plus... Je suis pas là pour leur donner le petit déjeuner actuellement. Exactement. Donc la mère a plus de facilité à transmettre les valeurs éducatives, et même lorsqu'on prend la symbolique du sein donné à l'enfant... D'aucuns estiment qu'il y a également des valeurs qui peuvent se transmettre simplement par cet acte-là lorsque la maman communique avec son enfant en lui donnant le sein. Voilà, donc la mère a plus de facilité à transmettre les valeurs éducatives que le père. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'enfant qui reste avec le père aura tout go de difficultés à croître. Mais je prends cela comme l'exception qui pourrait confirmer la règle. Voilà, donc c'est mon point de vue. Alors, avec vous les implications, on a encore 10 minutes, c'est incroyable. Avec vous les implications, mais l'une des implications qui déchire le cœur quand il y a monoparentalité, rupture, c'est que parfois les enfants se retrouvent perdus. Perdus parce que le parent avec qui ils vivent leur dit du mal en permanence du parent absent. Et le parent absent les guette peut-être soit sur la route de l'école, soit au carrefour, pour également leur dire du mal du parent avec qui ils vivent et les enfants à la fin. Donc, il y a un sujet dehors qui tire les ficelles et le parent qui a... le sujet dedans. Voilà, et le sujet qui est à la maison, qui a, on va dire, tout le temps même pour détruire l'autre. Enfin... Je crois que vous avez entièrement raison. La monoparentalité est un piège... Malheureusement, sur 10 couples, aussi sur 10 femmes, il y a 8 monoparentalités du fait des divorces qui sont répétés par rapport et c'est inquiétant en ce moment. Au décès, chiffres, ouais. Vous avez vu la cause évoquée par M. Gaba, parfois c'est une décision personnelle. Il faut aller comprendre, je ne veux pas reprendre M. Di Cocteau qui parlait de comment le mariage a été préparé et dans quelles conditions on a décidé de se marier. Si on a 30 ans et qu'on est
en train de travailler, on a tout et qu'on n'a pas encore un enfant, on peut décider que quelqu'un vienne me fabriquer un enfant et qu'il soit là ou pas, je m'en charge. Donc la nôtre est peut-être une décision. Alors je vais aborder les implications en précisant que l'enfant se développe. Si je prends les stades de développement évoqués par Freud, on parlera du stade oral, du stade anal, du stade œdipien, de la phase de latence. On va parler de la puberté et on va évoluer. Donc de 0 à 1 an, on parlera de stade oral, de 1 an jusqu'à 2 ans, 3 ans, on parlera 1 an, 2 ans, le stade anal. Et à partir de 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, on va parler du stade œdipien. On va parler de phase de latence avant que ne commence la puberté. Phase de latence entre jusqu'à 8 ans, 9 ans, à 10 ans déjà, commence la puberté chez les filles. Ça va être un peu retardé vers les garçons. Et de 12 ans à 13 ans, l'adolescence qui va s'installer. À chacune de ces phases, le père a des rôles à jouer. Et la mère a des rôles à jouer. Cela veut dire que si le père était absent, par exemple, à la phase édipienne, qu'est-ce qui va se poser comme problème? À la phase édipienne, le garçon, autour de 3 ans, 4 ans et demi, 3 ans et demi vers 4 ans, se tourne naturellement vers sa mère, qu'il prend comme épouse, qu'il se dit « Ah, ça c'est sa femme ». Celui qui guérit l'enfant de cette situation, en faisant ce qu'on appelle une bonne résolution du complexe d'Œdipe, c'est la présence du père qui martèle au garçon, au petit garçon, ce n'est pas ta femme, c'est bien ma femme. Et si tu voudrais avoir une femme comme elle, grandis, deviens comme moi, et tu pourras choisir une femme, tu pourras être un époux. Maintenant, je ne suis pas là. C'est-à-dire, c'est le détacher progressivement de la mère et lui indiquer comme modèle à suivre, comme image, comme modèle, comme leader, comme identité à avoir, l'identité d'un homme. Ce complexe peut donc être mal résolu à cause de l'absence du père. Et le complexe d'Œdipe mal résolu entraîne beaucoup de dysfonctionnements parce que ce garçon sera habitué à la mère qui est une autorité qui s'exerce. À l'adolescence, le garçon peut s'opposer farouchement à cette mère parce que reniant, te précisant maintenant que je suis adulte, l'adolescent remet tout en cause. Il dira non, je ne veux plus. Et il y a eu plein de cas, j'ai eu un cas récemment où le garçon dit j'en ai marre. Et il part du domicile parce que très tôt, il est resté avec la mère. Maintenant, il grandit, il a l'impression que la mère s'impose. La mère continue de s'imposer. Lui, il a autour de 18 ans et il veut être homme. Tantôt, la mère dit, mais tu ne peux pas outrepasser mes ordres. Il dit non. Et qu'est-ce qu'il veut dans tout l'accompagnement? Il veut une seule chose, pouvoir vivre un moment avec son père. Il veut savoir qui est son père. Il veut avoir des éléments. Il sait qu'il vit, mais il ne l'a plus jamais vu. Donc, il y a cela. Ça veut dire qu'un garçon peut quitter le domicile familial. Un garçon peut devenir délinquant parce qu'il trouve que la mère qui s'impose à lui n'a même pas l'autorité d'homme. Il veut un homme pour le contrôler. Le contraire peut se poser avec une fille. Une fille qui aura mal vécu le complexe d'Œdipe, une autre forme de complexe d'Œdipe qu'on appelle complexe d'Électre. Elle se serait tournée vers le père normalement et la mère présente devrait intervenir pour dire c'est pas ton époux. La mère ne l'ayant pas dit, les implications sont graves. Non seulement elle va être tournée vers le père avec tout ce qu'il y a comme implication qu'on ne peut, que je ne vais pas évoquer sur ce plateau, parce qu'en grandissant, toujours en présence de ce père, tout dépend des comportements, des normes, des valeurs du père, beaucoup de dangers sont possibles. Et on ne va pas laisser, il y a trop d'abus sexuels. Et il y a trop de comportements incestueux, il y a trop de crimes incestueux qui se produisent aujourd'hui, rien que par monoparentalité et la récupération des enfants, particulièrement des enfants de sexe féminin, par le père ou par un environnement de tuteur, donc les autres. Ensuite, cette fille-là, parce qu'elle va grandir autour de 12 ans, elle n'aura pas de repère féminin, parce qu'il faut qu'une mère prépare une fille qu'elle commence par s'apprêter à la menstruation et autres. Sans ce repère, elle n'aura pas appris avec les normes de la mère à dire non.
Non à qui? À un garçon. Nous allons voir une fille très tôt entre les mains de qui vient et les conséquences sont là. La présence, l'absence rapide du père peut entamer progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui est courant, où un garçon se trouve dans la peau d'une femme. D'une femme. Parce qu'il est resté longtemps dans un environnement qui n'a été que féminin. Un garçon qui est resté, qui a fini par comprendre que pour vivre avec telle personne, il vaut mieux être ainsi. Cela entame également la virilité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu. Un garçon qui finira par être mari, c'est un garçon qui sera fort et qui va pouvoir affronter des réalités. Mais il va se retrouver dans une situation avec son épouse plus tard, où il va se rendre compte que cette épouse n'est rien d'autre que la mère. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de ma mère sur mon épouse. Donc elle est dans des situations précises que avec la femme, il n'arrive pas à agir. Il y a cette crainte dans les relations là de pouvoir offenser quelqu'un qui n'est autre que sa mère. Parce qu'il est resté tout le temps avec la mère, qui n'est qu'une femme. Il a fini par vivre en pitié constamment. Avec... Donc, la monoparentalité vécue par un garçon tout le temps, et un garçon élevé par une mère, peut créer des problèmes aussi graves que là. La délinquance, l'homosexualité et ses implications. Chez une fille, le père seul, il y a des abus qui se vivent, il y a la prostitution, parce qu'elle n'a pas de repère en tant que fille, en tant que femme. D'accord. Et tout cela montre que quelqu'un qui a vécu dans une famille monoparentale ne saura pas être efficacement un parent auprès de ses enfants si la personne n'a pas fait un bilan de ce qu'il a reçu, ni au niveau du garçon, ni au niveau de la fille. Et les troubles qui peuvent venir, des troubles psychologiques qui peuvent venir, peuvent être graves. Grave. Merci beaucoup à vous. On a encore deux petites minutes. Le temps est passé. Vous allez donner votre mot de la fin. Vous avez eu des idées vraiment intéressantes sur le débat auquel je n'ai vraiment jamais pensé. Hein. Oui, ce sont justement ces idées ou ces idées-là qui sont les plus répandues aujourd'hui. Et il faut donc attirer l'attention de la plupart de nos jeunes sœurs et qui aujourd'hui... un tour de go, parce qu'on a étudié, parce qu'on pense que la société, le monde évolue, parce qu'on ne veut pas être sous les ordres d'un homme, on décide de tronquer les valeurs morales qui étaient les nôtres avec les valeurs que l'on copie d'ailleurs aujourd'hui. Le danger se trouve justement à ce niveau. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a plein de mères célibataires, mais lorsque vous allez vers elles et que vous leur posez la question de savoir ce qui n'a pas marché, et c'est que non, son père était vraiment délinquant, il n'assumait pas ci, il y a toujours des raisons. Et je pose toujours la question de savoir, est-ce que vous avez posé la question à votre propre mère pour savoir si, en son temps, elle n'avait pas vécu les mêmes difficultés que vous aujourd'hui, elle les a certainement subis, elle a pu les supporter jusqu'à en arriver à un moment où les choses se sont stabilisées à un moment donné, et puis elle est restée, elle vous a éduqué, vous êtes ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous imposez à vos enfants de vivre autre chose que ce que vous avez vécu. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes devenu? Si oui, vous avez l'obligation d'en tenir compte pour... éduquer vos enfants. Oui, mais ça, peut, arriver, ça peut devenir insupportable aussi. Oui, je suis d'accord. Votre mot de la fin, on est à l'heure pile. Hein, les implications, il faut ajouter une éducation à sens unique parce que c'est un seul parent qui s'en charge désormais. Et l'attention physique et psychologique qui pourrait s'abattre sur le parent présent parce que le trop plein de sollicitations pourrait le conduire là. Et puis un déséquilibre de la vie sociale aussi pourrait se faire remarquer. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, vous constatez des baisses de performance
ou des crises de comportement au niveau des troubles de comportement au niveau des enfants, parce que simplement ils sont issus de familles monoparentales, papa n'est plus là ou maman n'est plus là. Et puis je voudrais dire à tous les couples qui se mettent ensemble, comme nous l'avons rappelé sur le plateau, il y a des étapes qu'il faudrait suivre. C'est vrai qu'on peut rencontrer quelqu'un aujourd'hui et sans véritablement le connaître, rester avec lui pour toute la vie, être heureux, mais ce n'est pas, comment dire, ce qui est habituel. Il faut pouvoir se connaître, savoir ce que l'autre aime, ce qu'il n'aime pas, partir sur des bases solides avant de décider de se marier. Et quelqu'un dira, nous jodo e debudokpo, quand on est en couple. C'est dire qu'il faut fermer les yeux sur certaines choses, quand on veut rester ensemble pour longtemps, il faut faire des concessions pour rester ensemble. Et un autre dira, on ne tombe pas dans le mariage. D'accord. On entre dans le mariage. Merci beaucoup. Vous avez compris déjà avec la réalisation que nous avons complètement épuisé notre temps. Merci beaucoup à vous fidèles. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Merci. Comme vous êtes merveilleux, Rodrigo Labobaketo, vous aussi. Eddie Kamikoto, vous aussi. C'est un plaisir. Nabil Karba, je n'en parle plus. Allez, on va se laisser. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, à partir de 7h pour le dernier numéro de la semaine de la parenthèse. Bonne journée à vous.